Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starship Trooper. On est reparti pour avancer dans notre sympathique petite zone d'égout et aller essayer de faire tomber les méchants aliens. Alors ça me plaît pas trop qu'ils puissent passer par là, mais bon, on va essayer de sécuriser assez vite. Là clairement ça nous a aidé, hein, je pense, d'avoir pris cette base là. Ça nous a évité d'avoir des trucs qui nous tombaient dessus. Ils peuvent tenir, je pense, avec leur drone. T'as balancé une petite grenade pour aider. Ouais, bah, par contre, faudrait venir, là. Je sais pas ce que vous branlez, mais... Bah oui, du coup, voilà. Hop. Ok, unité d'assaut, là. Unité e-pulse, juste à côté. Une roquette derrière. Les anti-émeutes en bas. Et on avance. Il y a une cache ici à prendre. On va faire revenir un officier si on peut. C'est quoi ça? Une antre, ok. En arrière là. Ok. C'est le moment de défoncer ça. Putain, mais arrêtez de courir dans la... Dans la merde vous, sérieusement. En arrière, là, faut avancer jusqu'ici, là, jusque là, vous avez la portée, vous descendez. Ok, prenez la zone. Là, c'est propre. Vous, chopez-moi ça. On avance. On garde éventuellement une... Un truc sur l'arrière là, c'est pas grave, ça ne dérange pas outre mesure. Hop, hop, par ici. Donc on a des provisions, est-ce qu'on peut faire venir? Voilà, un petit officier stratégique, ça me va bien. Mettez-vous par là vous, voilà, parfait, on avance. Alors faut aller par où? Par ici, ok. On va envoyer eux prendre les hauteurs, vous par là-bas, vous derrière, vous pas très loin derrière, il y a une antre là-bas, ok. Toi tu viens là, déployez-vous. Notre officier stratégique, il vient. On va refaire un petit groupe de contrôle. Voilà, parfait. Et du coup, on va peut-être pouvoir refaire un poste de défense ici. Vous. Pointez-vous. On détruit ça. On détruit ça. Du coup, ils courent. Ah, ils peuvent passer par là. Ok, très bien. Bon, vous, vous avez gagné le droit de vous mettre dans la porte. En avant, l'officier derrière, parce qu'il va y avoir des gens à tuer, clairement. Ok, vous par là, vous par là, vous ici, toi derrière. On va se mettre en mode tanky. Déployez-vous là, toi également. Toi, je te demandais de venir là. Ah putain, on n'a pas d'angle pour tirer sur ces trucs, malheureusement. On se soigne. Ok, c'est fait. Il y a une cage de provisions par là. On va essayer d'y aller. Toi, tu te soignes. Toi, tu viens. Vous, vous soignez. Vous, vous prenez la zone ici. Parler d'un truc en bas là. Des grenades ailées. Ok, c'est à dire qu'il faut qu'on se mette plutôt par là et qu'on avance ici. Là, par là. Ouais, il va falloir qu'on avance des deux côtés de toute façon.
Alors ici, si on ouvre, si on nous ouvre par là, c'est pas très utile, très honnêtement. Pas vraiment envie de faire venir des gens par ici. Ici, on a une zone à peu près libre où se déployer. Toi, viens par là. Ici, on s'en tire comment? Pas trop mal. On bute les machins qui montent, c'est bien. Il y a un foutu scorpion par contre là. Est-ce qu'on pourrait lui grenader la tronche s'il vous plaît? On peut, mais ça lui fait pas tant de mal que ça. Ici, comment ça se passe? Stop, en arrière. Il y a trop de monde. Ah putain, ici on se fait péter les fesses. On a gagné un truc. On a quoi? Le leurre, la tourelle. Ah putain. Vas-y, balance ta tourelle. Ah merde, j'aurais dû. Je suis con. C'était pas malin de ma part. Parce que du coup, j'ai plus ma capacité de bouclier anti-émeute là. Ok, faut se replier là. C'est la merde. Beaucoup trop de trucs dans le coin. Les techniciens. Ah mais j'ai oublié les lance-roquettes. Les techniciens. Ah bah non, c'est pourri ça. Ici, vous me soignez. Vous tenez les lance-roquettes. Pétez-moi ça, s'il vous plaît. La grenade, on va les faire courir un peu. Allez là, qu'est-ce que vous foutez? Des stuns, c'est déjà pas mal. Ah putain, le truc explosif là. Ici, ça se passe comment? Putain, on s'est fait défoncer. Ok, on va se soigner là, on va récupérer. Les squads en pleine forme. Ici, il faut qu'on se déploie pour avoir plus de vision parce que c'est trop la merde. L'autre, il nous tire dessus d'en haut, là. Ah, mais il y a un nouveau cuirassé là, sérieusement? Putain. Vas-y, défonce-le. On n'est pas capable de tirer là-dessus. La recule. Oh, fait chier. Tourelle, vous deux, par ici. Il nous refaut une unité de lance-roquette. Une unité de pulse, c'était pas mal. Une unité comme ça, lance-roquette. Ok, ici, grenadez-moi ça. Qu'est-ce que... Ok, on a réussi à gérer... Et la ruche est en bas en plus, comment on descend? Ah mais d'accord, en fait je peux pas y aller. Ok d'accord, donc il faut qu'on aille prendre ça du coup, pas le choix. Est-ce que les trucs lance-roquettes, ils peuvent tirer là-dessus? Les techniciens, non, vous restez dans le coin. Enfoiré quoi. Le petit pompe. Tire-moi là-dessus, putain. Ah là là, il a pas de vision, quel enfer. Non, là, sur ça. Sauve tes potes. C'est toi l'anti-tank normalement. Allez, on va prendre le terminal. Ah, attends. Quelle saloperie. I don't much like swimming in shit. Let's double time it to the maintenance elevator. Bonne idée. Tirons-nous. Vous, grouillez-vous le cul. Ah, Speak Trigger 592. Et on laisse les tourelles derrière, on s'en fout. Merde, par contre là. Il va falloir s'arrêter le temps de tuer quelques trucs.
Ok, bon, voilà, il y a un cuirassé qui bute notre tourelle jusqu'ici. Rien qui me choque. Bon, je sais pas trop si. à quel moment c'était la réserve et quand est-ce qu'il fallait pas qu'on ait de perte, mais on en a eu. Clairement, c'était pas simple. Est-ce que c'est la fin? C'est ça la question. Sir, Intel reports a new bug threat in our sector. Bon, on dirait que non. Putain. Alors, pour le speech, hein, je rappelle que le... je suis en avant-première toujours, hein, donc le jeu n'est pas sorti encore. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce redoutable adversaire est capable de lancer des projectiles explosifs infligeant aux cibles non blindées des dégâts de zone considérables. Les unités blindées doivent également faire preuve d'une grande prudence. Lorsque le ravageur perd sa queue, après avoir subi des dégâts, il se met alors à fondre sur les cibles avec ses énormes pinces et pénètre facilement les armures. À cause de sa faculté unique à absorber les dégâts, le calibre des armes employées contre cet ennemi ne compte pas autant que le volume de tir. Pour venir à bout, misez sur des unités puissantes, couplées à des unités dotées d'une cadence de tir élevée. Oh la vache! Bon, du coup, on va se retaper pendant qu'on nettoie un peu ce qui passe. Et du coup, il va falloir qu'on se déploie. Il y a plein de conduits à parasites. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous aider sur ce genre de truc? Une petite pulse supplémentaire, je pense que ça serait pas mal. L'escouade anti-émeute pourrait être aussi une option à voir. C'est l'escouade anti-émeute qui va devoir passer devant. Alors on va absorber la vague là. Et c'est l'escouade anti-émeute qui va se coller au... Ah ouais, direct quoi. Allez, déployez-vous les gars. Franchement, faut y aller. Faut y aller. En avant. Tirez là-dessus. Là, on a quoi? Améliorez votre capacité de tir. Grenadez-moi ça. Où sont mes flics? Ah, ils sont morts. Ok, très bien. Donc là, ils chargent. Ok, très bien. On a réussi à se le faire. Ah, il y a eux qui sont restés derrière, pas de soucis. Il y a eux à soigner également, pas de soucis. On progresse. Préparez-vous à me péter ces trucs-là. Toi là-bas, toi ici. Toi là-bas, j'ai dit. Allez, on nettoie ça. Ok, c'est fait. Ah, j'ai plus la main. About time we get out of here. I'm in the mood to watch some bugs drown back up top. Hoping this worked. Ah ouais, j'espère. You did damn fine here, Keys. Damn fine indeed. Une victoire. C'est une victoire. Alors je sais pas exactement où était la réserve pour le coup, peut-être là où on a récupéré le cage. On s'est un petit peu fait déborder à un moment, tant pis, c'est pas grave. Flooding the outer districts of Mahanagar has dealt the Arachnid invasion a heavy blow. But our battle for the heart of the city still rages on. Would you like to know more? The starport of Mahanagar has fallen. The brainbug has directed its remaining hordes to disrupt the shipments of new equipment and personnel at this vital transport hub. Our troopers have fought hard, but shortages are now being felt on the battlefield, leaving our position hanging in the balance. To regain the upper hand, the starport must be taken back. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Alors, tu as 24 parasites à l'air de drone M23 Rainmaker. Ok, encore des nouveaux drones et déployer simultanément 9 fleurs. Les capacités d'élite de l'escouade anti-émeute 9. Waouh. Ok. Alors, on va faire de l'escouade anti-émeute alors, pas de soucis. We're in the Starport's metro station now. Intel was right. Bugs are dug in deep down here. Secure your zone, Keys.
I'll be making my landing soon. Et ok. Alors, on peut faire venir personne, on a quoi? Deux anti-émeutes, un MK2. Les MK2, c'est des trucs de... anti-aérien, c'est ça, non? Fusil, des tirs appui à moyenne et longue portée contre les cibles blindage léger. Là, ce sont lance-grenades. Ok, très bien. Donc, on est sur du assez énervé, quand même. Il faut qu'on nettoie les ruches du métro. Et bah, c'est parti. Ils sont vraiment tanky, hein, mine de rien. Alors la ruche, elle a quoi du coup? Juste une galerie. Très bien, on va donc progresser. Non, on recule un peu. Vas-y, balancer la rafale de grenade là. Voilà, on va activer la petite compétence. Et rapprocher eux pour qu'ils puissent filer un peu de renfort. Alors, comment on y va, cette ruche? D'accord, faut faire le tour par là, bordel. Ça, c'est pas cool. Ah, on peut faire le tour par là-bas aussi. Bon, on va envoyer, du coup... qui peut prendre ce truc? On a personne qui peut... Ah non, on pourra y aller quand la ruche sera vide, peut-être. Mettez-vous juste là, vous. Avec les... le soutien des MK2, là. J'espère qu'ils peuvent gérer les ruches, eux. Est-ce qu'on peut voir ça? Je sais plus comment... Ah oui, non, c'est là. Unité. Les escouades anti-émeute. On peut nettoyer les ruches. Ok, parfait. Ça va repopper, là. Bug de tir ici. Non, attendez, parce que du coup, faut qu'on nettoie ça. Sinon, un de puissance, ils vont être trop faibles. Allez, go. Gérez-moi cette ruche. Une alarme ici. Okay. Ça, c'est un DR4 Viking. Ok, on avance. Ok. La bonne idée, quoi. La bonne idée. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire venir? Escouade anti-émeute. Enfin, d'autres escouades anti-émeute. Surtout qu'on a des cuirassés. Donc il y a un arme incendie ici, conduit, un terminal de radio juste là, et sinon, cache de matériel militaire, alarme. Ça semble presque plus intéressant dehors, dans le sens où il y a des... Après on pourrait faire les deux. Hein. On va progresser par là. On va les laisser là. Parfait, on a avancé jusqu'au prochain palier de combat. J'en suis heureux. On va passer par là. Ah, coucou toi. Allez, gros lancer de grenade, des familles, voilà. On avance. Je veux juste nettoyer les conduits, je pense qu'après je dirai dehors, mais je vais au moins nettoyer les conduits pour
qu'on soit un peu plus au calme. Toi tu montes, toi tu vas capturer ça, toi tu restes en soutien. Ok, eux ils ont quoi? Les grenades anti-aériennes nous tirent avec une volée d'armes sous munitions pour balayer les ennemis dans une zone. On va prendre ça plutôt. Vous, soignez-vous. Et on va pouvoir revenir à l'entrée. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Prennent pas beaucoup d'XP par contre les squads anti-émeutes. Hein. Portail gigantesque. Allez, on va tirer les petits piou-piou. On va aller chercher cette cache de matériel militaire. Il y a un terminal radio là-bas, ok. On se déploie les gars. C'est fermé. Ouais, il y a pas mal de rues. Ah. Avance devant toi pour prendre l'aggro. Faut le finir là. Parfait. Déployez-vous. Vous en arrière. Vous prenez ce petit coin. Ici, il y a une magnifique statue de l'infanterie mobile. Déployez par vous par là, vous. Ok, on avance, on avance, on avance. Il y a du monde par ici. Mais on va les nettoyer. Sans trop de problèmes. Quelques guerriers à la con. Parfait, on prend ça. Et donc l'objectif, ça va être de servir d'appât. Alors ce qui veut dire qu'on va aller... Peut-être faire quelques tourelles serait sympathique, mais du coup on va aller prendre ce terminal avant de prendre le... de déclencher l'alarme si possible. Là il devrait pas pouvoir passer. Alors si ça, ça s'ouvre, ça peut être compliqué aussi. Ok, déclenchons l'alarme et voyons voir ce que ça fait. Make your landing quick then. We can only hold so long. Une bonne nouvelle. Alors, je suis parti du principe qu'ils allaient arriver par là, mais en vrai... Ouais, ils étaient attaqués ou ça? Ok, ici c'est bon, ils arrivent par là. En espérant qu'ils vont pas passer là, mais bon, vu les trucs en flammes, je pense que non. Ah, c'est ce que je craignais, on n'a pas de... d'angle de tir malheureusement. Par contre, on peut grenader. Ok, vous aussi, il faut activer la capacité. La cuirasse, c'est fait. Vraiment pas moyen d'avoir des angles de tir, là. Par ici, peut-être. Ouais, là on peut au moins tirer un peu. Parfait, on a oublié de combat 3, ça c'est cool. On grenade, on grenade. Les escouades anti-émeutes, elles sont solides quand même. On va les soigner pendant la ciné. Cool. We'll work on taking that flight control room ASAP. Anytime today. Just give us the go. D'accord. Alors du coup, comment ça se passe? On a ça. Elle est où la salle de contrôle aérien? Elle est là.
en avant les gars. Là-bas, on va tenir. Le temps qu'il faut, on peut monter par où? Par là, ok. Ok, on tient notre terrain. Oui. Ça va, on a réussi à gérer. On avance. Ah, sa mère. En arrière, en arrière, en arrière, putain. Ils sont tellement défoncés. Sérieux quoi, m'avoir donné des trucs pour buter ça. Des unités aussi pourraves. Vas-y, bouge. Ok, c'est fait. Pars en éclaireur, toi. Ok, y'a personne. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas aller capturer le truc. T'es un petit peu tout seul. On va le mettre en bas et on va les mettre en haut. Flight control secured. And here comes the full might of the MI, thundering down on the bugs. Ouais, 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 c'est ça, fais ton malin. We can begin clearing the starport now. Ready for action. Our war support has increased, sir. Alors du coup, on est d'accord que là, on a notre équipe. Ici, c'est les seuls qu'on contrôle. Et on peut faire venir des nouveaux trucs. Alors on a quoi? Lance-roquette cage, M7 Cyclone. On va prendre les lance-roquettes. Vu qu'on a des petits... Sir, Intel reports a new bug threat in our sector. Des bombardiers, ça c'est la saloperie, croissance de ruche, ok. On va prendre un cage, un comme ça, voilà. J'aurais bien voulu avoir des petites unités de soldats, mais on va faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire de l'escouade anti-émeute. Toi, viens par là, vous progressez. Toi, tu peux même pas sauter, d'accord. On est considéré comme en souterrain, peut-être. Déployez-vous. Toi, tu peux tirer en hauteur, donc déploie-toi également. Alors, la ruche là, un truc là-bas, un truc là-bas. Ok. Je vois. Déploie-toi, toi par ici, ou par là. Là, il nous faut la compétence parce qu'on est en galère. Grenadez-moi tout ça. Là, c'est un portail, pas de soucis. Là, là, ici, il faut qu'on avance. Bug attack, mais où? Mais quoi? Mais comment ils vont attaquer ça? Mais ils attaquent ça s'ils ont envie, ça ne me dérange pas plus que ça, honnêtement. Autant dire que je m'en tamponne même. C'est quoi ça? Hop! Putain! Ok, on soigne. Toi, tu viens. Mais toi, tu veux pas que je te sélectionne, hein? Ok, on va mettre le petit cage là. Vous, vous allez tenir. Toi, tu vas te mettre par là. Toi, tu viens ici. Alors, ici, du coup, il nous faut... mais non, pas ça. Des leurres. C'était des leurres qu'il nous fallait. On a les bombardiers, là. C'est vraiment de la sale bête, hein. Allez, progressez par là-bas. Là, on avance, ici. On va essayer de prendre un angle de tir. Ici, ça pop derrière nous, bien sûr. L'enfer. Ah, mais là, il n'y a plus personne. Vas-y, go.
lâche le terrain, on va gérer avec ce qu'il nous reste. Toi là-bas, toi tu sers à rien là-bas au final. Gérons cette ruche. Ok, parfait. On va prendre les lance-roquettes supplémentaires. Je me disais, il est où l'autre? Mais ok, c'est bon. Très bien, on peut progresser par là. Détruire. Conduit à parasite, des cages de provisions, du matériel militaire. Cage de matériel militaire là-bas. On va devoir retourner ici. Ouais, il y a une ruche, donc on y retournera un moment. Alors, je sais pas où va la bug attack du coup. Est-ce qu'elle va sur nos défenseurs ici, peut-être? Visiblement, il y a les points d'exclamation là. Alors, il nous faut eux devant. Allez, on rentre avec les escouades anti-émeute. Et la troisième ici. Là-bas, il y a du petit cuirassé des familles. En avant, toi, la petite compétence qui va bien. Ici aussi. Toi, tu tiens là-dessus. Rentrez, vous. Vous deux, vous rentrez aussi. Je veux que vous me défonciez ce cuirassé, s'il vous plaît. Ok, ça c'est géré, excellent. On peut faire venir le dernier truc. Et on a envie. Des cyclones. Donc ici on a la vague hein, qui arrive. Alors là, donc on a dit cette fois des leurres. Placez-vous par là. Placez-vous. Go. Gérez ce côté-là. En avant. Parce que ça fait ce leurre. D'accord, ok, intéressant. Rigolo. Les lance-roquettes là. Déployez-vous. Là on tire. Là on se déploie. Là il y a quoi? Terminal de radio. Parfait, on va pouvoir faire des choses. Soignez-vous. Soignez-vous. Vous venez tenir cette zone. Toi ici. Vous là. Il manque des gens là. Ouais, voilà. Go. Toi tu progresses. Le cage. Tu vas te mettre en hauteur. On attend l'attaque. Deux petits trucs. Vous vous êtes soigné. Chopez-moi ça. Vous vous êtes soigné. Venez ici. Là c'est pareil. Montez donc par ici. Alors là, c'est le petit enfoiré. On a capturé des provisions. On peut faire venir un petit cyclone pour nous aider. Ça fera pas de mal. Progressez-vous. Go. Allez, déployez-vous. La ruche est par là. Alors là, il y a un terminal de radio qu'on peut prendre. Allons-y. Maquillage, les MK2. Toi, tu peux te soigner. T'as de l'élite. On n'aura pas de volant dans ce coin, je pense. Comme c'est parti. Alors là, la galerie est là, la ruche est ici. Il y a un truc tout là-bas dehors. Et ici, un tunnel de parasites qui est fermé, mais qui va probablement s'ouvrir à un moment. Ici, est-ce qu'on peut progresser? Là, il y a du monde. Voir si on prend chat. Est-ce qu'on peut faire venir des techniciens?
On n'a pas le centre de soutien, ok. Ah merde, il y a du monde là. Il nettoie ça sans problème. C'est-à-dire que du coup, il va quand même falloir qu'on tienne la zone ici. Ah oui, ça déconne pas le truc à sous-munition. Ok, on va tenir ici avec eux et avec le reste, on va pouvoir avancer. On a le moyen de se déployer jusqu'ici le temps que ça s'arpop. On met une escouade anti-émeute par là, une par là, les lance-roquettes, le cyclone. Notre officier stratégique est ici. Oh, les fumiers de bombardiers là. Putain. Ok, si on allume, on pourrait se rapprocher un peu plus pour avoir un angle de tir. Peut-être plutôt par là. Là, on est soigné. Je pense qu'on va peut-être faire l'inverse. Du coup, on va envoyer récupérer un MK. L'attaque là, pas cool. Ouh, vous avez pas vu, vous. Ouais, elle s'est fait allumer. D'accord, très bien. On a encore 2 puissances de la ruche à cause de là-bas. Donc ici, ça va sortir là. Attention. Il y a toujours 2 de puissance là-bas, donc il faut qu'on avance. Viens par là, toi. Toi aussi. On est pas lié de combat. 4, vache. Alors ici, il me faudra un angle de tir avec lui, par contre, parce que sinon, ça va pas le faire. Toi, descends. Vous, sur les hauteurs. Voilà, là, on est pas mal. Ici, on t'encouille. Ici, on va progresser jusque là. Vous, venez par là. Toi, viens par ici. T'étais censé tenir ici plutôt. Ok, là c'est vidé. On va récupérer un de puissance ici, mais on va pouvoir s'en occuper assez facilement, je pense. Ils peuvent nettoyer. Ils peuvent pas, je crois. Ouais. On a ces deux là pour aller nettoyer. C'est parti. Ah non, bug attacking down. Ah putain, demi-tour. Ça c'est l'enfer, le bug attack là par contre. D'où ils arrivent? Non, bon, go. Go go go, grouillez-vous. Toi, tu peux aller choper ça. Vas-y, chope ça. Donc ça nettoie. Allez, avant que ça soit nettoyé. Si, c'est bon. Ok. Next step. Rainmaker delivery. Now that's what this op's been missing. Arm up and throw the last of these ugly suckers off my runway. Operation Kick Bug Ass is officially back up and running. C'est quoi ce machin? Ça a l'air sympathique. Ok, regardons un peu.
Ce lance-missile mécanique mobile est spécialisé dans les tirs d'appui longue portée. Il est capable de déclencher une pluie persistante de missiles. Alors, il peut fonctionner en mode mobile ou déployé. En mode mobile, tir de missile en rafale, peut tirer dans n'importe quelle direction, peut tirer au-dessus de n'importe quelle unité. Ok, et en mode déployé, tir de missile individuel avec augmentation de la portée de la cadence de tir. Doit faire tourner le lance-missile pour pouvoir cibler les ennemis dans plusieurs directions, peut tirer au-dessus. Ok, très bien. Et on peut avoir un bouclier de drone qui le protège contre les unités aériennes et au sol. Excellent. Et les missiles se dirigent automatiquement sur les cibles en déplacement. En plus, c'est de l'auto-ciblé. Parfait. Ah, et on a toutes nos unités qui sont revenues. Là, je me disais, c'est quoi ce gros rush? Bon, bah du coup, on va arrêter cet épisode-là. Il a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour terminer cette mission. Ciao, ciao tout le monde.